Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon Let's Play de la saison 2 de Pick All Blocks. Allez, on y va, c'est parti. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné. Ah oui, je venais de faire la maison, enfin, une partie au moins, tout du moins, la maison était à moitié terminée. Je venais de poser mon lit, si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Je venais de poser mon lit, et je ne sais plus ce que je voulais faire, à part ranger mes affaires. Ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai 21 de fer. On a un bon stuff. Alors je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je fais un peu cet épisode sur un coup de tête. Ouais, je voulais déjà aller chercher ce qu'on avait là. Alors, on a pas mal de trucs ici. Il faudrait peut-être transvaser un peu. Ah oui, ici. Si, voilà. Je crois que je me souviens. Je crois qu'on était parti pour faire le. Au moins le début du musée. Alors, attendez, je vais juste ranger le diamant ici et l'or ici, parce que j'ai envie de les garder à portée de main. Donc, pour faire le musée. Le musée, on va le faire. On va le faire, on va le faire, on va le faire par là. Je pense que par là, c'est bien. Il faudrait que je vire cette arme. Je pense que je couperai, parce qu'il a l'air vraiment énorme. À couper, ça va être très très long. On va le faire sur l'eau. J'ai envie de le faire sur l'eau. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de varier un petit peu d'une construction lambda. Sur du sol à faire quelque chose un petit peu original. J'ai entendu un zombie. Ah non, j'ai pas rêvé, il y a bien un zombie dans le coin. Il doit y avoir une grotte pas loin. Ah, mais vraiment pas loin. Est-ce qu'il serait pas sous la flotte? Je sais pas. Oh, c'est perturbant. Bon, c'est pas grave, je suis protégé. Je devrais être tranquille. Donc. Ah. Et donc, il y a un sacré trou pour un lac. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'ailleurs juste une faille ou un truc comme ça? C'est possible qu'il y ait une faille en beau milieu et que ça coupe. Non, je le verrai. Je pense que je le verrai. Donc, il ne doit pas y avoir. Donc, alors, on va essayer de délimiter un peu la zone. Parce que ça va être un grand musée. Ça va être quelque chose d'assez énorme. Oh oui, ta gueule, le zombie. Alors, on va faire ça comme ceci. Je vais essayer de faire au moins le contour. Après, je pense que on fera au feeling un peu le sol. Plus assez de dirt. Attends, je remonte. Pas mourir noyé, hein. Ce serait un peu bêta. Allez, je remonte. Tac. Alors, on va faire un truc. On va faire un truc à peu près grand comment. Encore un peu, ça va être un truc en hauteur et en profondeur, hein, je pense, hein, parce que je pourrais pas tout mettre sur un seul étage. Je pense qu'on va tourner à ce niveau-là, ça sera bien. Allez, je crois qu'on est presque au bout, à moins que j'ai déjà dépassé. Non, pas encore. Hop, je suis pas sûr d'en avoir assez. C'est bête parce que je me souviens avoir jeté de la dirt dans l'épisode d'avant. Ah, quoique. Ah! Je crois que j'avais laissé un bout de dirt ici. Non, il n'y a plus de bout de dirt. Ah, c'est dommage, j'avais juré. Ok, d'accord. Bon, il manque presque rien. Le presque rien, on va aller le chercher. Ça va être rapide. De toute façon, je crois que j'ai encore une pelle en plus. C'est nickel. Donc on va juste faire des imitations et peut-être choisir en quoi je vais faire la au moins une partie du musée. Hein. Ah, il va être assez grand quand même la base. Hein. De toute façon il faudra bien ça hein, parce que vu tout ce que j'ai à mettre dedans. Alors. Donc ça va être tout ça. Ça va être tout ça quoique je vais essayer de faire un truc que j'en aurai jamais assez. En plus la nuit il tombe. Non, attendez, on va virer ça, c'est débile, je voulais continuer un petit peu le musée, mais c'est complètement débile. A chaque fois, j'ai l'impression de voir de la laine ici, à cause du bug d'été, sûr. On va aller dormir, parce que de toute façon, il faut que j'ai... Enfin, il me faut le jour pour travailler, je peux pas travailler la nuit, c'est sûr et certain. J'ai trop peur de me faire défoncer, j'aimerais bien passer les 11 épisodes... Le record de la dernière saison.
Ça serait pas mal. Oui, bah c'est la nuit là. Tu peux pas me laisser dormir? Allez. Ah, bah voilà. Dodo, dodo. Hop, on descend. Donc, on a fait la base. Alors, en quoi on va la faire? Enfin, en quoi on va faire le musée? Ça, c'est la question qui tue. En quoi allons-nous faire le musée? On va juste aller voir. Qu'est-ce qui serait plus joli? Alors, sachant que j'ai pas franchement de biomes différents à côté, ce qui est très embêtant par contre, hein, parce que là pour le coup, je suis assez embêté par rapport au bois et puis aux autres trucs que je peux trouver dans les autres biomes. Comment je vais faire pour trouver du cactus par exemple? Ça va pas être de la tarte, moi je vous dis. Je suis même pas sûr d'avoir canne à sucre. Bon. Bah tiens d'ailleurs, ça me fait penser que je pense qu'il va falloir qu'on prépare une exploration. Une véritable exploration. Un truc où, qui risque de durer au moins un ou deux épisodes. Et pas de l'exploration de galerie. L'exploration de cartes. Va falloir bien que je note ma coordonnée avant de partir. Avant de faire ça. Attendez. Je voudrais des cisailles au cas où je tombe sur un mouton. Hein? Ça peut être fort utile parce que j'ai pas 36 moutons à portée de main, voilà. Et ça serait plutôt bien d'avoir des cisailles, surtout si je trouve un autre bois que je connais pas, de prendre des feuilles. Ça peut être quelque chose qui aide. Donc je sais toujours pas. Peut-être en sandstone, en hommage à la dernière saison où j'ai voulu le faire en sandstone, ce qui a royalement foiré. Hein? Disons-le, ça a un peu foiré. Bon, je pense qu'on va le faire en sandstone. Donc, on a notre petite maison, mais on n'a toujours pas de. Comment dire? De véritable exploration de galerie qui a été faite. J'ai toujours que 4 diamants. Hein. J'aimerais bien en avoir plus. Et pour cela, bah, je pense qu'on va redescendre. Tout simplement, je pense qu'on va redescendre. On va se faire quelques torches en plus. On peut en faire quelques-unes de plus, je pense. Hop, on va se faire du stuff en pierre. D'ailleurs, je peux en faire deux. Je pense qu'on peut en faire deux. Voilà. Oh, bah c'est bon, en fait, j'en ai plein. J'ai une iron pickaxe au cas où. Par contre, il faudrait que j'économise. Une iron sword. Quoique. Je vais faire l'épée en diams. Je vais faire l'épée en diams, il n'y a pas photo. Ça peut me sauver la vie. Ça, c'est sûr, ça peut me sauver la vie. Et surtout, je pense que si mon let's play dure, j'aurai besoin de retourner en galerie. Et donc, le diamant sera normalement pas un problème. C'est pas ça que je voudrais, c'est ça. Tada! Épée en diams. Bon. On va dire que c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai posé ça là pour éviter de prendre toujours. Ah oui. Un truc aussi indispensable maintenant que j'ai un seau. Le Water Bucket. Allez, on y va. Diamond Sword. Laisse-moi passer. Alors, on y va. Bon, ça y est, reflippy. Cette fois-ci, je pense qu'on va y rester au lieu de faire des. Oh mon dieu. Au lieu de faire des épisodes un peu. Comment dire? Moitié-moitié, c'est-à-dire qu'une moitié je fais l'exploration de galerie, une moitié je fais autre chose. Je vais essayer de faire vraiment un ou deux épisodes complets. À partir de maintenant, je vais essayer de faire un ou deux épisodes complets de galerie, tout simplement. Essayer de m'en tenir un peu à ce que je fais en fait. Et l'idée de changer sur un coup de tête. Donc là ici tout avait été exploré, je me souviens. Tcha tcha tcha. Oh, il y a un joli creeper là-bas. J'étais remonté par là. Si je me souviens bien. Alors par contre là faut faire gaffe. Beware the creeper. Ah non, c'était pas un creeper. Oh le flip. Par contre, c'est pas dit que ça peut pas me tomber dessus. Voilà. C'est vrai, il y avait cette partie-là. Ok, bon, ça y est, on y est revenu. Tu peux monter, Creeper. Ah! Il y a ton copain. Toute façon, je vais finir par vous tuer, hein. Je viens de le faire à l'instant. Monster Hunter. Bah, reviens là. Oh la vache.
Alors, du coup, je pense qu'il est possible que ça sente le mob spawner là. Ok. Il y a zombies, il y a squelettes, il y a pas mal de choses. Vous savez quoi? Je crois qu'on va essayer de contourner. Ça me fait flipper par contre. Un autre truc que j'ai complètement oublié. Ça. Une poule. Qu'est-ce qu'une poule fait par là? Alors, on va s'emmurer ici. On va s'emmurer ici, histoire d'être tranquille. Et on va creuser. Voir ce qu'il y a là-dessous. Ça, je suis à la couche combien là? 23. Oh, je suis encore trop. Je suis encore trop. C'est un peu embêtant. Donc alors, on en est où là? Ah, bah je crois que je suis passé juste dessous. Ouais, là, il est en train de me traîner sur la figure là. Il doit marcher juste au-dessus. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on peut remonter. Je pense. Oh, du fer! J'ai une écreuille. Ah, bah j'ai pris toute l'XP, donc je suppose que je suis passé juste en dessous. Alors, je dois pas être loin. Bah alors. Oh, de l'or! Oh bah dis donc. Non, c'est pas ça, c'est ça que je vais utiliser. Oh! Oh nom de Dieu! D'accord. Voilà. Moi, ça c'est fait. T'as espèce de poulet, quoi. Il est parti où? T'es revenu là, mais. De toute façon, il serait capable de me faire un headshot là. Donc, il me faudrait un arc aussi. Ça pourrait m'aider. J'ai pas d'arc. Oh là là, c'est le festival juste au-dessus de moi. Nom de Dieu. Ok, en fait, je suis juste en dessous. Je suis pas bien loin derrière. On se calme, les gars. J'arrive. Trouvé. T'as un bloc. Allez. C'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est quoi tous ces mobs qui arrivent? Alors, allez finir. En plus, je crois que j'ai entendu un. Je crois que j'ai entendu un Underman, mais je suis pas sûr. Bon! Je suppose que c'est même pas fini. Ouais, c'est ça, j'ai bien entendu un Enderman. Bon, vous avez fini l'expérience? Vous venez ou merde? Ok, d'accord. Je n'ai foutre pas envie d'y aller. Il doit être juste au-dessus. Allez, on y va. Oh! Il est là. C'est bon. Ça, c'est fait. Donc on a un creeper là. On a un creeper là. Par contre, on n'a rien ici. Il serait peut-être temps de sécuriser. En tout cas, pour l'instant, on n'a rien. Ok, il y a quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. Ouh, que je suis pas rassuré. Oh là là. Encore? Ok, creeper. Bon, ici ils peuvent pas passer, ils sont bloqués. Il y a l'air d'avoir de la lave là-bas. Ok, donc ici c'est safe, entre guillemets. On vérifie le toit. Les côtés.
l'air d'être safe aussi. Là, ça a l'air d'être pas très safe. Un peu tendu de tous les côtés. Faut se méfier. Par contre, il y a du fer partout, là, c'est génial. Alors. Donc, on a pas mal de fer. Super cool. Par contre, il y a un poulet, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce poulet, quoi? Je vais descendre. Je vais descendre par là. Checker s'il y a quelque chose. Donc là, il y a du lapis. Désolé si vous m'entendez pas trop, mais je suis assez stressé. Voilà pourquoi. Aïe. Bon, ok. C'était pas ça l'objectif. En plus, il y a du monde. On va virer. Voilà. Si on peut pas passer par là. On va récolter tout le fer. Oh, je suis pas rassuré. Non, c'est pas avec ça que je veux récolter. Alors. Voilà. Ouh, que je suis pas rassuré. Donc, on va aller descendre du côté de là où il y avait le. On va prendre de la pisse aussi. Toujours ça de pris. Si j'ai besoin de laine bleue. C'est du côté de là où il y avait le. La lave, là-bas. Par ici. On va torcher un peu ici, c'est pas très safe non plus. Mais. J'ai toujours de la. L'expérience qui me tourne autour là. Elle commence à me casser les pieds. Si elle pouvait venir tout simplement, ça serait bien. Oh, c'est la chauve-souris qui fait ce bruit. Ah! Squelette. Oh! En plus, il fait des bons headshots là. Dans ta face. Allez, on se tire. Enfin, on se tire. Entre guillemets. On va récolter encore un peu. On va récolter encore un peu. De toute façon, c'est indispensable. Il faut que je remonte ma barre de vin. Enfin. Ma barre de vin. Je picole pas trop non plus, hein. Alors, encore du fer, ça c'est génial, mais il y a vraiment un Enderman qui traîne dans le coin. Par contre, je vais pas l'affronter parce que ils font vraiment super mal si on les gère mal, s'ils sont à plusieurs. Et c'est pas du tout mon objectif. Alors, on va passer par le haut, histoire d'être tranquillou. On va bientôt changer de pioche d'ailleurs. On va changer de pioche. Hop. Alors, là, il y a quoi? Lave là-bas. Je suis à quelle couche? 18. Toujours un squelette qui traîne. Je vais me refaire des planches. Tiens, j'ai plus de spruce wood. Ah! Attendez. Faut que j'en garde un peu le coude, ça pourrait être utile. Voilà, hop. Oh, chute. Le squelette est juste là. On va essayer d'aller choper. Alors, passer par là. On va passer par là tout doucement. Alors, est-ce que je peux t'avoir d'ici? Ça, c'est la question. Voilà. Ok, je suis en train de te tourner autour. Ah, t'es juste là. Nickel. Ah, t'étais juste là, toi. Oups, 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 oups. On fait pas le con. On pose un bloc. Là, il y a quoi d'autre? Il y a mon bloc de bois qui est resté là. On va juste passer là. Allez voir ce que nous offre la galerie par ici. En restant à peu près safe. Parce que de toute façon. Ah déjà?
Attendez, je reste encore un petit peu avec vous. Pas parce que mon timer m'a dit que c'était la fin que je suis obligé de lui obéir, hein. Par contre, je vais me casser la gueule. J'ai. Ah! Oh, et puis merde, hein. Hop! Ça a l'air d'être à peu près safe. Ok, gros lag de l'avant-vue. Mais c'est souvent bon signe. Là aussi, gros lac de lave. Ah non, c'est juste de la lave tout court. Bon bah là, on est tranquille, hein. De toute façon, il se casse la gueule dans la lave. Il est juste là. Là, par contre, c'est pas safe du tout. Ramuré, hein. Parce qu'on n'est pas venu pour se faire bousiller par un creeper dans notre dos. Alors attendez, je bouge un peu mon casque. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est un épisode assez stressant, en tout cas la partie 2. La deuxième partie où on est dans la grotte, hein, c'est assez stressant pour moi. Donc, je parle peut-être un petit peu moins. C'est un peu moins vivace. Je pense que c'est surtout ça. C'est un peu moins vivant. Et j'en suis un peu désolé. Mais bon, c'est ma façon de jouer, hein. Quand je suis tout seul, je stresse à mort. Quand je suis à plusieurs, c'est tranquille par contre. Enfin, c'est pas moi qui passe devant. C'est surtout ça. C'est pas moi qui passe devant dans les grottes. C'est un peu pour ça que ça me fait un peu moins flipper. Et pourtant, je suis un vieux joueur de Minecraft, hein. J'ai joué depuis la bêta 1.3. Ça fait un bout de temps déjà. Ok, tiens, il y a un bug de. Oh non, de Dieu, c'est quoi ce. Méga lac. Bon, et ben, ça sera pour le prochain épisode, hein. Un petit peu de suspense pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé avec vos amis sur les réseaux sociaux, partout, 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 partout. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi si vous avez aimé, à venir en discuter avec moi dans les commentaires ou sur Twitter. Et puis voilà. J'espère vous revoir bientôt ou vous voir abonné à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà. Et ben à la prochaine. Salut à tous!